I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? Sweet baby Jesus in the office. Alors bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Jonathan Drapeau pour le Wrestle Rock Podcast. On est rendu à l'émission numéro 13. Je suis en compagnie de mon éminent collègue, Benoît Laferrière. Comment ça va, mon Ben? Ben, ça va numéro un. Comme mon collègue l'a mentionné, 13e épisode qui va parler du monde de la lutte professionnelle avec plusieurs nouvelles, plusieurs prédictions de show, plusieurs résultats de show. Alouette. Yes! Alors, rentrons vivement dans le sujet et on a décidé de faire l'inverse un petit peu de ce qu'on faisait dans le passé. On commence ici par la lutte indépendante d'ailleurs et d'aujourd'hui. Ouais, c'est dur ça de même. Yes, donc, vas-y mon ami. Alors, nous allons parler des débuts d'Enzo, qui était connu à l'époque à la WWE sous le nom de Enzo Amore. Eh bien, figurez-vous que lors du gala War Chamber MLW, qui se déroulait le 6 novembre dernier, il a fait ses débuts dans ce gala-là et il a gagné contre Matt Cross dans un single match. And you can teach that. Exactement. Et puis, la plus grande fédération de lutte aux États-Unis qui a vu le jour en 2002, la Ring of Honor, a déclaré qu'elle voudrait prendre un petit recul, mais seulement après le pay-per-view Final Battle, qui se déroule en décembre prochain. T'en penses quoi, toi, de ça, mon Will? Bon, ce que j'en pense, c'est que c'est parce que là, avec la COVID, disons que ça, on dirait que ça donnait pas le produit escompté depuis certains pay-per-view. Non, c'est sûr. Puis il y a beaucoup de grosses promotions qui ont ramassé. Tu sais, on pense à All Elite Wrestling qui ont ramassé beaucoup, beaucoup de talent. La WWE ont ramassé aussi beaucoup de talent. NXT, ouais. La Impact Wrestling ont ramassé beaucoup de talent. Fait que là, le produit est dilué. Toutes les meilleures de Ring of Honor, c'était pas mal l'école mère de toutes ces petits. C'était comme là où ils construisaient les petits soldats, puis après ça, ils étaient pitchés un peu partout dans les grosses promotions. Mais là, j'ai l'impression qu'il manquait de relève. Là, t'sais. Dans le fond, ils sont dans une mauvaise passe, ils vont prendre du recul. Puis d'après un tweet qui a été envoyé, ils ont noté qu'ils envisageaient de faire un retour en avril 2022 pour le show Supercard of Honor. Okay. Fait que j'imagine que Supercard of Honor, ils vont sûrement faire venir des gars de la New Japan Pro Wrestling. Un peu comme il avait fait avec la G1 là, dans le temps. Là. Ou dans The Night of Thunder, tu sais, Justin Liger, il avait fait venir Justin Liger. Yes. En 2004, yes. Je crois. Oui, c'est ça. C'est 2004. Ensuite de ça, on parlait juste avant de All Elite Wrestling puis de Impact Wrestling. Exactement. On pourrait parler de notre lutteur québécois, Speedball Mike Bailey, qui a signé avec Impact Wrestling récemment. Donc, félicitations, c'est très cool. Et puis, Bailey s'est fait offrir un contrat par l'exécutif d'Impact Wrestling, Scott DeMore, après son match contre Josh Alexander au Destiny Wrestling Show, qui se déroulait le 31 octobre dernier, donc à l'Halloween, au nouveau défi. Un nouveau défi pour le nouveau lutteur québécois qu'on va pouvoir voir sur les zones de Fight et de Impact et de tout. Tous les grands networks, fait que c'est vraiment cool. T'sais, un autre Québécois. Exactement. Puis là, on parlait de network, on a souvent parlé de ça, les postes de TV de la lutte. Là. Fait que la WWE, depuis 2014, ils ont le fameux WWE Network. Ouais. Et bien d'après Tony Schiavone, celui qui l'annonceur, là, qui fait des entrevues et qui peut commenter avec Jim Ross, tout ça. Ouais. Ben selon lui, là, la AEW devrait avoir son AEW Network dans le courant de l'année 2022. Ah, ben c'est cool, ça. Fait que j'imagine qu'il va peut-être avoir des acquisitions, peut-être. Ah, ben ouais. Parce que ça va leur prendre du contenu, là, ça fait pas très longtemps là, qu'ils sont là. C'est sûr qu'ils vont avoir des acquisitions. Ouais. Fait que moi, je pense que peut-être que Impact pourrait peut-être être bouffé par AEW. Oui, j'ai toujours la théorie qu'ils vont se fusionner ensemble et qu'ils vont garder les meilleurs. Moi, je pense qu'ils vont ébouffer.
Puis ils vont garder tout le contenu pour le... Non, mais je veux dire... Il n'y a pas tant... Tu sais, il y a des bons lutteurs, mais tu sais, ça n'a rien à voir avec la crème, là, the cream of the crop. Ouais, mais tu mets, mettons, Division X à AEW, ça toucherait. Ouais, mais ils ont déjà, genre, des super de bons high flyers, là, tu sais, on parle de... Ben, les Young Bucks. Jungle Bucks. Jungle Boy, les Young Bucks, les Lucha Bros, mais en même temps, eux font partie plus de la partie équipe, tu sais, de la chose, mais tu sais, il y en a beaucoup, là, Sammy Guevara, Darby Allin, Dante Morgan. On a vu récemment, ils ont signé l'ancien... ouais, ben, Jay Lethal. Ils ont signé Jay Lethal à All Elite Wrestling. Il va challenger Sammy Guevara. Mais lui, il va être moins dans la division Cruiserweight. Ce que je parle, c'est plus... ils ont signé ouais, on l'a, le lutteur mexicain là, qui était à la WWE. Là, ah, Kalisto. Kalisto. Puis là, ben, avec le départ de la dernière vague de la WWE où ils ont congédié des Kate Lee, des Ember Moon... des Green Metallic, des Nia Jax. T'en penses quoi, toi, là-dessus? Ouais, mais là, ils sont débarrassés. Et c'est ça, c'est quasiment comme quasiment une vente de garage, j'espère. C'est fou, hein? Je calculais, là, il y avait plus de 70 lutteurs qui ont été congédiés de la WWE. Dans le courant de l'année 2021, bien entendu. Ouais, puis c'est vraiment bizarre parce que juste quelques heures avant, la WWE annonçait qu'il avait fait des profits monstres. Puis quelques heures après, ils ont décidé de congédier toute la liste que tu pourrais nous énumérer, si tu veux. Oui, bien entendu. Bien, il s'agit de Frankie Monette, Karrion Kross, Scarlett Bordeaux, Ember Moon, Oney Larkin, B-Fab de Hit Row, Katrina Cortez, Jit Rama, Jesse Camille, Zayda Ramier, Trey Baxter, Grand Metallic, Lindsay Dorado, Nia Jax, Kate Lee, Harry Smith, Eva Marie, puis Maya Yim. Lesquels tu penses qu'ils vont sortir du lot puis qu'on va revoir dans une éventualité dans des grosses promotions là, de type AEW ou Impact? Là? Ben, Kate Lee, Harry Smith, je le souhaite bien. Ember Moon, je le souhaite bien. Ouais. Nia Jax. Nia Jax, ouais, elle pourrait être dans une promotion. Parce que là, tu sais, comme j'avais expliqué, là, c'est une là-dedans qui était à NXT, là. Fait que juste un mois de non-concurrence, là. Ouais. Tu sais, pas besoin d'attendre 3 mois comme ça l'a été le cas pour... pour certains, là, comme... on sait qui, donc? Adam Cole. Ouais. Ah non, Adam Cole, c'était juste un mois. Hein. Ah ouais, il était à NXT, exactement. Ouais. 3 mois, il y avait... Mais le Bray Wyatt, Bryan, c'est une question de temps maximum. Daniel, Daniel Bryan. 3 mois. Ben c'est ça, fait que tu sais, il y en a beaucoup que c'est du NXT, là, fait que j'imagine que... mais Brian, c'est pas un congédiement, c'est son contrat qui a terminé. Quand son contrat, quand le contrat de la lutteur, la lutteuse ou le lutteur expire, ben là, ils ont pas de clause dans la concurrence. Non, c'est ça. S'ils se font sacrer dehors, parce qu'ils sont obligés de les payer pendant 3 mois, pendant un mois, tout dépendant. Mais c'est malade, pareil, tu sais, là, je vois dans le bas de notre page de notes, qu'il y a Eva Marie, tu sais. C'est pas malade. Expert, non, je le sais, mais t'imagines-tu, ils ont mis du temps, de l'énergie, de l'effort à monter, genre, des promos pour la mettre over, puis tout ça, puis ça l'a fait pouette. Le seul positif, parce qu'il y a souvent du positif malgré, tu sais, moi, je dirais, je vais comparer ça avec une fleur puis de la marde, là. C'est vraiment bizarre ce que je vais te dire, mais tu sais, oui, une fleur, ça peut pousser dans de la merde, tu sais. Fait que je me dis que le seul positif qu'il y a eu un peu de Eva Marie, c'est qu'on a appris à connaître Doudrop. Ouais, je pense que c'est la seule que j'ai trouvée qui était quand même intéressante et qui sortait du lot de cette fameuse histoire-là. Mais tu sais, des Karrion Kross et des Scarlett Bordeaux, là, je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Puis pourtant, Karrion Kross, c'était le champion de la NXT. Ah, je sais. Puis ils ont décidé de le mettre main roster puis de rien faire avec. Même chose avec Kate Lee. Ouais, Kate Lee, on pensait déçu, que le gros Bearcat allait faire un squash comme nos amis les Road Warriors, qu'on vous invite à écouter l'émission spéciale. Ouais, exactement. Qui faisait des squash. Il s'est rien passé. Des squash comme Goldberg, là. Oui, c'est ça. Imagine une minute. C'est ça. Mais bon,
ça me fait capoter. Pour vrai, là, ça me fait capoter bien raide. Mais pour revenir à NXT, c'est toi qui m'avais parlé de ça. C'est d'après une certaine source, la nouvelle politique de la WWE serait d'évaluer les superstars de NXT tous les 6 mois. Oui, c'est ça. Les personnes qui ne se sont pas améliorées vont se faire sacrer dehors. Ouais, puis ils veulent plus engager genre des personnes d'une certaine âge. Tu sais, comme Kate Lee, je pense qu'elle avait 37 ou 38 ans. Ouais, il y a eu 37 récemment. Ans. Il y avait Eva Marie aussi, je pense qu'elle avait comme 35 ou 36 ans. Ouais, dans nos ans. C'est, ouais. Tout des, c'est ça, fait tu sais. Mais si ils mettent cette politique-là en place, parce qu'ils veulent avoir des jeunes... Puis ils veulent pas signer des jeunes en bas de 21 ans, je pense. Tu sais, ce que ça, faire une histoire courte, ce que ça veut dire, c'est que quand ils voient que, mettons, la présumée recrue, ou en tout cas le lutteur d'NXT, qui s'améliore pas, qu'ils voient qu'il plafonne, tu plafonnes, tu seras jamais meilleur que t'es là, tu seras jamais régulier. Puis ils se contredisent un peu sur leur formule, parce qu'ils disent qu'ils veulent plus signer de contrat de lutteurs qui ont été dans l'indie. Puis j'ai entendu parler qu'il voulait signer Austin Aries. Ouais, mais là, c'est parce qu'Austin Aries a déjà fait partie de la WWE. C'est peut-être ça, là. C'est peut-être pas ça. C'est vraiment, c'est des nouveaux, là. Ouais, c'est ça. Comme Oufito, on a 37 ans, on voudrait aller à la WWE. Ah, on reste chez vous, petit gars, là. Ça ressemble à ça, là. Yes! Donc, tu peux poursuivre, mon ami? Ouais, vous n'êtes pas sans savoir qu'il reste seulement un match au contrat à notre grand ami Goldberg dans son contrat. Ce sera contre qui? Certaines sources mentionnent qu'il pourrait faire équipe avec son fils Gage pour affronter Rey et Dominic Mysterio. Ça pourrait être ça, c'est des rumeurs, là. Ça pourrait être cool. Un autre combat hypothétique qui pourrait avoir lieu, c'est un match en équipe de deux vraies coupes dans la vraie vie. C'est-à-dire Seth Rollins et Becky Lynch qui pourraient faire face à Edge et Beth Phoenix. Ça serait hot en esti. Ah oui, ça serait. Tu connais ça quelque part ou ben c'est genre une hypothèse? Ouais, ben j'ai pas une autre. Ben c'est Nostradaben qui est genre sorti ça. Ben il y a du Nostradaben, mais il y a. J'ai lu des affaires sur Internet aussi, là. Ouais, ouais, ouais. Ok, ben c'est cool. En tout cas, on va se croiser les doigts parce qu'à date, tu te trompes pas bien, ben. Ben j'essaye. C'est sûr que des fois, je peux me tromper. Mais... On n'est pas dans le secret des dieux non plus. Tu sais, c'est ça. C'est comme. On a écouté récemment All Elite Wrestling, on a écouté Full Gear, puis tu disais. Tu viens dans le dernier podcast, on s'est full ostiné. Ouais, disons qu'on disant, genre, on est quasiment venu. Tu disais, genre, Adam Page, il pouvait pas être. Moi, je disais qu'il pouvait pas être le prochain champion. Puis toi, tu disais, oh, mais Kenny Omega, il va finir par perdre sa strap. Puis que. Ben, Chris, t'avais raison. Ben. Ouais, mais ça veut pas dire. Il regardera peut-être pas 6 mois, là. Non, c'est ça, sais, faut se dire. Je là. Sais, je sais. Et puis, ben, on serait rendu à la partie opinion et impression sur les événements suivants. Crown Jewel, Halloween Havoc et Survivor Series. Puis on pourrait faire une mini petite parenthèse sur genre qu'est-ce qu'on a trouvé de pas pire de Full Gear. Sans passer dans genre tous les combats, là. Mais on parlera. Oui, si tu veux, on va improviser un peu sur Full Gear. Puis vas-y, mon ami. Alors, pour le. Dans le fond, ben on a pas écouté le pré-show, là, mais on va y aller avec le premier combat. C'était Darby Allin contre MGF. T'en as pensé quoi de ce combat-là, toi? Personnellement, j'aurais pas ouvert avec ça. Il était bon, mais il y avait des longueurs. C'était trop long. Ben, j'avais 20 minutes, 22 minutes, je pense. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Il y avait des longueurs là-dedans. Puis nous, on l'a évalué comme à 9 sur 10, hein, ce combat-là. Non, ben, pas ça. 7 sur 10, c'est ça. 7-6 sur 10, c'était moyen. Ensuite de ça, le deuxième combat, ce fut dans le fond un match par équipe qui était vraiment succulent, qui était les champions par équipe de la AAA, qui sont constitués de Dax Harwood et Cash Wheeler, FTR, qui se sont battus contre les champions de la AEW, qui sont constitués de Penta El Zero Miero et Rey Fénix, les Lucha Brothers. Un excellent combat. Ouais, c'était. Pour moi, c'était un des meilleurs combats de la soirée. La division par équipe de la AEW, c'est la meilleure division de catch au monde. Selon moi. Oh, ouais, ouais, solide. Lucha Brothers, FTR, Young Bucks, Jurassic Express. C'est juste ça, là. C'est fort. Mais ça, là, de tous les temps, il n'y a jamais eu une promotion, puis ça, c'est notre opinion, puis j'imagine que tu auras la même opinion que moi, qui a jamais eu une aussi forte division par équipe de tous les temps. Ouais, en tout cas, je n'ai pas vu souvent, en tout cas. Peut-être dans la période Golden Era où il y avait
Demolition, Art Foundation, Legion of Doom, Arn Anderson. Ouais, c'était pas des gros gars, c'était pas de la haute voltige. Non, c'est ça. C'était pas des rockers. C'était plus des techniciens que des high flyers. On pourrait éventuellement faire un spécial, c'est tag team. Ok, tu voudrais parler des rockers de Shawn Michaels et de Marty Jannetty. Et voilà. Tu voulais le plugger. Le troisième affrontement était pour la finale du number one contender au titre AEW World Championship. Brian Danielson qui a battu Miro, il a passé à peu près deux minutes. Une minute et demie en bas du ring, hein? Bon, je me répète encore, mais Miro passe son temps à l'extérieur du ring! Mais c'était un bon combo, moi j'adore. Ah oui, honnêtement, c'était vraiment un excellent combo. Il y avait de la technique, c'était stiff, les chops, là. Ouais, c'était bon. Mais Brian, c'est ça. Daniel Bryan, The American Dragon, Brian Danielson, contre un balai, ça serait bon, tu sais. Ben, maudit, t'as-tu vu son chest? On dirait une aubergine, Calvin. ouais. Yes. Ensuite, il y avait un 3 contre 3. Christian Cage et la Jurassic Express, Jungle Ball, Luchasaurus contre Super Click, Adam Cole et The Young Bucks. C'était malade ce combat-là. C'était débile. On se souviendra de des gros highlights. Il y a eu des putes de Tom Tax qui ont sorti pendant. Ouais, ils mettent des Tom Tax dans la bouche à Jungle Ball. Ouais. Il y a eu le Shooting Star Press effectué par Luchasaurus. À partir de la rampe d'entrée jusqu'à l'extérieur sur le concrete floor. Exactement. C'était excellent. Pour vrai, ce combat-là, moi, honnêtement, on avait mis un 9 sur 10. Oh, là. Oui. C'était savoureux. Je pense que c'était le meilleur match. C'était le meilleur match de la carte. Ouais. Ensuite de ça, il y a eu le cinquième combat qui était Cody Rhodes contre Malakai Black. Ellie Dolo. Bon, c'était un match respectable. Oui, c'était un excellent combat. C'est sûr que les équipes fitaient peut-être pas. C'est pas tout à fait les mêmes gimmicks. On s'entend que. Non, c'est sûr. C'est Cody Pitak. Ça aurait pu être un four-way ou le tag. C'est ça, exactement. C'est peut-être ça qui. Le match était très bon, mais en four-way, ça aurait été meilleur. Ouais, ça aurait été meilleur, je pense. Tu fais, mettons, tu mets ça à Impact Wrestling. Tu fais Ultimate Tech avec ces quatre gars-là. Ouais, ça serait malade. Ça aurait été débile. Ouais, ça aurait été malade. Ensuite, je te laisse nommer le sixième affrontement. Donc, c'était la championne. Vas-y! C'était la championne. Vas-y, nomme-les. Dr. Britt Baker, DM. Face à Tay Conti. Voilà, la championne brésilienne. Mm. Ben, la championne brésilienne. Je sais qu'elle fait des arts martiaux. Elle est bonne en jiu-jitsu. Elle fait du judo, je pense, en fait. T'es conti d'avoir écouté ce match-là? Ah, t'es conti sortant. t'es conti à l'extérieur? Ben, tout ça pour vous dire, c'était un match féminin classique, là, traditionnel. Tu as fini qu'elle a fait un schoolboy, elle a retenu le fond de culotte, 1, 2, 3. T'es content d'en avoir parlé de Britt Baker? Ah, je suis bien content, numéro 1. Parfait, ça. Et ça s'est suivi du combat numéro 7. CM Punk et Kofi Kingston. Et Eddie Kingston. Honnêtement, ce que j'ai adoré de ce combat-là, c'était pas nécessairement le match de l'année. C'était le match le moins long, mais un des meilleurs matchs. Un match de 12 minutes. C'était pas une maudite affaire d'une demi-heure qui finit plus, là. Puis j'ai trouvé qu'il avait bien buildé. Genre, la fiode était excellente. Honnêtement, c'était génial. Puis c'est parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, ils parlaient de leur passé aussi, là. Ouais. Bon, c'était bon. Puis j'ouvrais une petite parenthèse aussi sur... parce que j'aime ça, les petites parenthèses. CM Punk, qui a fait un clin d'œil à John Cena. Ah, il a quasiment fait le You Can See Me. T'en penses quoi de ça, toi, mon Ben? Ben, on a posé la question sur les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Pensez-vous qu'éventuellement, il pourrait faire un retour? Ben oui, un retour sur le ring, dans la compagnie de Jacksonville, AEW, on vous laisse répondre. Vous pouvez partager. Il y en a qui disent non, il est trop lichu de Vince McMahon. Non, qui a marqué ça. J'ai buzzé. Yes. Puis merci encore de nous suivre sur les médias sociaux. On voit que le fanbase continue à grossir puis que notre contenu est gratuit. Partagez-le. C'est grandement apprécié. Merci beaucoup, tout le monde. Ensuite, il y a eu le Inner Circle, Jericho, Hager, Sammy Guevara, Santana et Ortiz contre les Men of the Year, qui est Ethan Page, Scorpio Sky, American Top Team, Junior de Santos, Andre Arlovski et Dan Lambert, le petit fendant. Ah, j'ai bien de la misère, moi, avec les gars de la UFC, là. Tu sais, t'es UFC ou t'es lutteur? Ouais, c'est ça. Tu sais, Brock Lesnar, ça a marché parce qu'il avait une base dans la lutte.
Ronda Rousey a quand même fait un bon travail. Ken Shamrock. Dan Severn, c'était moyen, tu sais. Il y avait des rumeurs qui diraient qu'éventuellement GSP pourrait signer un contrat avec AEW, mais une promotion. C'est, GSP semble que c'est un triple de lutte. Puis, ouais, mais là, il est rendu à 40 ans. Le WWE, il faut pas qu'il signe des. Ça se... C'est ça quand tu dis que ça se contredit. Ouais, ça se contredit, tu sais. Mais en même temps, c'est Georges Saint-Pierre. Ah, c'est sûr. Mais je souhaite bien. Salut, Monsieur Georges, en passant. Monsieur Georges. Salut, Monsieur Georges. Ouais, puis moi, j'ai bien aimé à la fin Jericho qui a fait l'hommage à Eddie Guerrero, là. Le fameux Frog Splash. Ah, c'était fort. Puis on se souviendra qu'il y avait un super beau highlight aussi là-dedans où Sammy Guevara a monté sur le dessus de l'échelle et a fait un Santon Bomb dans une table. C'était vraiment hot, sérieux. Puis si vous avez remarqué, vous écoutez le show, les mesdames et messieurs, vous allez vous rendre compte que dans plusieurs combats, il y en a certains qui faisaient les Three Amigos d'Eddie Guerrero. Il y a eu... Il y a quelques-uns qui l'ont fait. CM Punk. Il y a eu le Chris Jericho. Puis je me souviens pas de l'autre. C'est MGF. FTR, MGF, là-dessus. Ça se peut. Mais bref, voilà. Et puis, le dernier combat, c'était Kenny Omega, le champion de la fédération à l'époque. Qui a perdu son titre face à Hangman Page. Un match à peu près 25 minutes. C'était long. C'était bon, mais c'était long. J'ai bien aimé à la fin le genre de front flip close line. Ah ouais, ça rendrait. Tu sais, il méritait de gagner Hangman Page. Personnellement, c'était vraiment bon. C'est l'avenir, ce gars-là. Oui. Tu sais, il a juste 30 ans, là. Yes, c'était vraiment bon, honnêtement. Ensuite, on pourrait enchaîner, dans le fond, avec nos opinions et impressions sur l'événement Crown Jewel ou Halloween Havoc. Halloween Havoc, j'ai pas grand-chose à dire. Ah, moi non plus. Halloween Havoc, ça valait pas de la crise de merde. Le fils à Scott Steiner et Tommaso Ciampa, c'était bon, mais pour ça... Oui, le premier match, là, le genre de Phoenix Splash qui tombe ses pieds de même, là. Puis après ça, qui se laisse aller sur le ventre, là. Ah, c'est pas pour eux qu'ils mettent du monde à la porte. Là. À un moment donné, là, si vous n'êtes pas capable de lutter, restez chez vous de manger des céréales. Tout ça t'a fait penser à Big Boss Man à WrestleMania 5, là, quand Sean ou Marty Jannetty, il esquive le splash. Là. Tu sais, là, il tombe ses pieds et se laisse aller sur le ventre. Je t'avais fait écouter ça et t'avais dit « Il a donc bien peur de se faire mal! » C'est-tu que ça rentre? Donc, Halloween avec, c'était pas le meilleur événement, mais il y avait, tu sais... C'est dommage qu'il y ait la franchise Halloween Havoc puis la WWE fasse pas quelque chose d'intéressant avec ça. Ben, Chucky, c'était bon. L'affaire de Chucky, il y avait une genre de roulette pour les matchs. Ça, c'était intéressant. Comme Eric Bischoff avec le Raw Roulette. Sauf que je trouve ça triste qu'il n'y ait rien fait d'intéressant, tu sais. Comme le gros manga, la Parker Boudreau, là, ils vont-tu faire de quoi avec ça? Je sais pas. Là, il y a l'air plus d'un zombie qu'un lutteur. Hein. S'en est à refaire du football puis qu'il nous crisse patience. Ah, puis c'est comparé à Brock Lesnar, ça, là. Non, c'était une crotte de nez, ça. Bon. Ensuite de ça, dans le fond, on va Halloween Havoc, là, c'était pas bon. Là. On oublie qu'il y a Halloween Havoc, là. Puis, faut pas se demander pourquoi que la AEW gagnait le Wednesday Night War. Avec un esti de produit de vos Ponsen, comme on a vu à Halloween avec. Hey, McMahon! La AEW te pousse dans le cul. Donne donc un produit qui a de l'allure, calvaire. Ah, c'est sûr que ça n'a pas de bon sens. Il va falloir qu'il fasse de quoi, parce que moi, là, je suis complètement découragé. Honnêtement, là... Donc, maintenant, nous allons enchaîner maintenant que nos impressions sur Crown Jewel qui avait lieu en Arabie Saoudite. Oui. Alors, le premier, le match du pré-show, c'était les Usos qui ont défait le Hurt Business. Ceinture n'était pas en jeu. C'est ça, ils étaient champions, les Usos, mais la ceinture n'était pas en jeu, je crois. C'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Mais... C'est ça. Moi, j'ai mis 7.5. C'était un excellent combat, honnêtement. Puis, il y a eu un super kick de Benjamin. Et c'est un super kick. Et, un des Usos qui a passé à un pied de la face. Ça n'avait pas l'air crédible. Hey, ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu ça, cher auditeur, le fameux elbow drop de Matt Hardy à AEW. Contre le sosie de François Massicotte, Orange Cassidy. Hey, mais c'est pas drôle, pareil. On est en train de dire des résultats, puis même on reparle encore de la AEW parce que. Le produit il est supérieur.
Ah, le calibre est meilleur d'une maudite coche à part de ça. Ça fait longtemps là, qu'on n'a pas aimé, qu'on n'a pas trippé en écoutant de la lutte de même. Moi, là, les derniers temps, là, c'est quand on a regardé les ECW TV taping. Tu parles de la vraie ECW. Pas le produit artificiel qui a fermé en 2010 parce que c'était de la merde. On s'entend, là. Ouais, parce qu'on dirait que Vince McMahon, dès qu'il touche à quelque chose, faut que ça fasse de la merde. Mais ça paraît que Pat Patterson n'est plus là. Ouais, mais Pat Patterson t'es encore vivant dans le temps. Moi, la nouvelle ECW, je l'aurais laissé runner à Paul Heyman. Ouais. Mais là, à cause de l'échec de December to Dismember, ils ont comme tossé Paul Heyman. Mais c'est pas correct, ça. Ouais, ça me fait capoter. Tu sais, c'est sûr que ça arrive un mauvais show. Mais... Il y a eu un Mansour face à Mustafa Ali. Hey! Edge contre Seth Rollins. Ah, ouf! Hey, tu peux me fesser. Ouais, vas-y. Edge contre Seth Rollins dans un Hell in a Cell. Formule TLC dans un Hell in a Cell de toute beauté, les spots de débile. Moi, le Sunset Flip Powerbomb. C'est excellent. Ils ont utilisé plein d'armes. Moi, j'ai mis 9 sur 10. C'était vraiment cool. C'était le meilleur match du gala. Oui, honnêtement, c'était bien. Bon, je peux parler du combat que j'ai trouvé. Honnêtement, c'était un des deux bons combats de la soirée. C'était vraiment bon. Deux gars locaux à part là-dessus. Yes, c'était deux gars locaux. On avait mis 7.5, mais même on pourrait même mettre un 8. Moi, j'ai mis 8. C'était vraiment bon. Les gars se sont donnés. On voyait qu'ils venaient de là. Puis, ils voulaient mousser. Puis, donnez-leur un push. Honnêtement, ça vaut à peine. Ils ont livré la marchandise. Puis, c'était excellent. Combat de 10 minutes. Ouais. 10 minutes intenses. Yes, on se souviendra qu'il y a eu un karatéka aussi qui est venu. Ouais, le genre de médaillé d'argent, je pense. Ouais, c'est ça, qui est venu faire un coup de pied. Là. C'était spectaculaire. Ouais. Puis ça l'a apporté quelque chose de le fun. En parlant de quelque chose de spectaculaire, ben on passerait au match numéro 4. C'était Randy Orton et Riddle qui ont défait AJ Styles et Omos et... Riddle est arrivé avec un chameau! Oui, exactement. L'entrée était le numéro 1, l'entrée. Yes! Tu sais, quand je disais ça, je dis ça, le ring travaillait bien, puis le décor était original. Ah, ouais, c'était hot. Tu sais, il fallait que ça aille. Ah, il y avait des feux d'artifice en masse. Le budget était là. Pour moi, il n'y a pas eu de budget pour SummerSlam, puis ils ont tout mis ça là-bas. Ah, peut-être. mais moi, je trouve, psychologiquement, je trouve que Riddle, il a fait un fuck-up. Tu vas sûrement être d'accord avec moi. Il a permis à Styles de taguer Omos après sa gut wrench. Il y a un manque de psychologie à quelque part. Il a comme fait une gut wrench à AJ Styles, mais vers le coin. Non, ça n'a pas rapport. Ça marche pas, ça. Tu sais, c'est psychologiquement, il faut que tu empêches le gars de taguer. Ben ouais, c'est que tu sois heel ou face, il faut que tu empêches. À part ça, le match était bon. Là. Yes. Ensuite de ça, ben, y a Zelina Vega qui a défait Doudrop par pinfall. C'était mal buildé. C'était pas un super de bon combat. Ah, le tournoi était mal buildé en tant que tel. Tu sais, vous faites la promotion sur le Women's Revolution, vous lui faites faire un Queen of the Ring avec des matchs de 2 minutes. C'est quoi le problème? Mettez plus d'expose aux femmes, baptême. Ils l'ont fait dans le passé en plus avec des Becky Lynch puis des Sasha Banks qui ont fait le main event de WrestleMania. Puis là, on avec dirait qu'ils ne savent plus quoi faire. Avec la division féminine. Ben, si vous ne savez pas quoi faire avec la division féminine, ben, y a d'autres compagnies qui vont se charger de faire le job. Y a la WOW là, qui est ouverte récemment là, avec des dirigeantes comme la femme de CM Punk, AJ Lee, puis Tessa Blanchard. Ouais. Ils vont aller chercher tout ce qu'il y a de bon, puis vous n'aurez plus rien. C'est ça qui va arriver. C'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Ben, c'est ça. Ensuite, il y a eu le match Goldberg contre Bobby Lashley, un Olds Bar match, False Count Anywhere. Goldberg a gagné. C'est quand même un bon. Ben, moi, j'ai. T'es pas fan de Goldberg, mais t'es. Je suis pas fan de Goldberg, mais j'ai quand même aimé le combo. Honnêtement, là, j'aimerais ça voir Goldberg dans des hardcore matchs, juste pour voir comment il se débrouillerait. Parce que là, je voyais que, tu sais, ça brassait le Nose Bar. Il a pris un candlestick. Tu sais, c'était intéressant. Honnêtement, j'ai pas détesté ça. Tu sais ce que t'as dit, quand un gars est pas bon, on dirait qu'il est bon dans les matchs hardcore. Ouais, c'est ça. Salut Nick Gage en passant. Ensuite, il y a eu la finale du King of the Ring, Xavier Woods, qui a défait Finn Balor par pinfall. Il y a du beau high fly, c'était intense, il y avait une belle chimie. Moi, j'ai adoré le match. Yes. Ensuite de ça, il y a eu Biggie qui a défait Drew McIntyre
Un bon 8.5 sur 10, combat quand même assez long, par exemple. Ouais, 18-25. C'était trop long. C'était stiff, il y avait des moves solides. Il y avait une série de belly-to-belly qui c'était débile. Ouais, ouais, ouais. C'est pas belly... la lutteuse, là. Non, pas belly. Belly. Non, pas... Ensuite, il y a eu Becky Lynch qui a défait Bianca Belair et Sasha Banks. En plus que 10 secondes. C'est pas pire, quand même. C'était meilleur qu'à SummerSlam. Ouais, c'était pas dur à battre. Et puis, l'événement s'est terminé avec Roman Reigns qui a défait Brock Lesnar, ce qui m'a surpris énormément. Le combat était quand même bon dans l'ensemble. Il y avait déjà shape, mais c'était... des bons enchaînements. J'aurais aimé ça que Brock Lesnar ramasse sa ceinture, mais on se souviendra là, que j'ai l'impression qu'ils ont laissé la ceinture à Roman Reigns puisque sont dans le trip là, de faire des records. Là. Fait que là, la WWE, ils vont attendre que Roman Reigns batte le record de 600 jours de règne avec le titre universel de la WWE. Ouais. Après ça, ils vont y faire partie à Strat. Parce qu'il y a des rumeurs, là, c'est Brock va le battre peut-être au Rumble, peut-être The Rock à WrestleMania. Il y a bien des rumeurs là-dessus. Là. Yes. D'ailleurs, en parlant de The Rock, juste avant de, non, il y a pas trop de closer ça, il semblerait que The Rock serait intéressant de parler de The Rock parce que dans le fond, The Rock serait intéressé à éventuellement faire le prochain James Bond. Ouais, mais ça prend un acteur britannique pour le faire. Ouais, je le sais. C'est ça, mais j'ai vu un article qui est sorti, puis il serait vraiment intéressé à le faire. C'est sûr que ça fit moins un peu. Là, ça a toujours été des petits gabarits, puis des British. Ça va faire penser au service secret de Sa Majesté qui a eu lieu en 1969, George Lazenby, qui n'est pas British, mais australien. Il a fallu qu'il travaille son accent British, parce qu'un Australien et un British, c'est pas le même accent. Non, c'est sûr, c'est sûr. Fait que probablement que The Rock va être obligé de suivre des cours de diction britannique. C'est ça. Il parle comme Sean Connery ou Roger Moore. Yes. Alors, c'est ici que se termine notre émission 13 sur la lutte professionnelle. Mon nom est Jonathan Drapeau. J'espère que vous avez apprécié cet podcast. Oui. J'étais avec mon éminent collègue, Benoît Laferrière. Merci, mon Ben. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été au rendez-vous. J'espère que vous avez apprécié. Et on se retrouve très prochainement. Alors, soyez des nôtres. L'action ne manquera pas. Au revoir.